T'es qui, toi? C'est toi, Sergio? On se connaît pas, lâche-moi. C'est bien toi, ce petit enculé de Sergio. C'est quoi le triple? Tu veux t'embrouiller ou quoi? Eh, vas-y, barre-toi! C'est pas le moment, là. Connard. Ferme ma gueule! Oh, tu veux quoi? Je sais pas c'est quoi ton affaire, mais j'ai rien à voir, moi. Lâche-moi. Rien! Putain, fais pas le con! C'est pas moi, je te dis! Alors si c'est pas toi, il est une espèce de pute! C'est pas c'est qui, ton putain de Sergio? Je pensais qu'en Babadil, quand on était petit, il travaillait en France. On était tout seul au bled. Chaque fois qu'il rentrait l'été, il m'amenait toujours dans la montagne avec les moutons et tout. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Il vient pas au mariage, c'est pas normal quand même. Ya Wildi, Alèche, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Non, tu sais comment il est bête. Il est bête, il t'aime, mais il est bête. C'est Emma. Il est bête. C'est pas pour moi. C'est pour Alice, c'est ma femme. Je sais, ne connaît pas. Tout ça à cause de la fierté. C'est trop. Oui, enfin, vous réalisez que vous l'avez sûrement blessé dans sa fierté de père. D'autant plus qu'Alice, c'est sa fille unique. La vérité, madame, j'ai pas pensé. Ouais. Mais c'est la façon qu'il a dit « Ah oui, quand même !» Oh, moi, je veux pas qu'après, ils me disent « On paye pour 32 !» Ou bien, on a invité 32, mais on a dû payer pour 114, ou la 258, je sais pas combien. S'étonner du nombre d'invités, ça veut pas dire faire des comptes d'apothicaire. Apothicaire? Oui. Peut-être. Mais je préfère tout payer, comme ça, y a pas de malentendu. D'accord, mais ça vous met dans des difficultés financières. Ça, c'est vrai. Mais Yemel va brouiller Babadji Lali, on va trouver la solution. Enfin, votre fierté, vous facilite pas souvent la vie, hein? Ça, madame, c'est l'histoire de ma vie et vous êtes bien placée pour le savoir. Oui. Et Alice, elle m'a dit que après coup, son père, il a quand même voulu me faire une proposition. Mais j'ai refusé direct. Ben quoi, sans l'écouter? Pourquoi je l'écoute? Ben parce que c'est intéressant de savoir ce qu'il a à dire. Je sais pas. Vous auriez pu reconsidérer votre décision. Madame, j'ai essayé. C'était plus fort que moi. C'est moi, madame. Oui. Je vois qu'il n'y a plus de M16. Et si on vous prend une AK-47, vous mettez 2-3 grenades avec? Non, pas évident, parce que je suis en rupture de stock sur ce modèle-là, en fait, de Kalachnikov, moins 50. Ah, en revanche, j'ai un très très bon modèle. Le lacet étrangleur. Très très efficace. Toi, tu sais me parler, toi. Mon pied, trop. Je suis bouillant depuis ce matin, j'ai envie de m'en faire. Ah, vas-y, régale-toi, Minou. Vas-y. Vas-y. Oh, il résiste, le con. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ça ne va pas être long. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça va? T'as pas l'air en forme? Je suis trop fatigué, j'ai presque pas dormi. Ah bon? À cause des nerfs. Ah merde, je m'en suis pas rendu compte. C'est normal, tu t'es pas fait humilier, toi. Quoi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu m'as trop manqué. Stop, Jamel. Jamel, c'est le frère de ma meilleure amie. Tu sais qu'on se connaît depuis le collège avec Nico? Ah oui, carrément, le collège. Mais t'es grave, franchement. Nico, la maniche Arif Shkoun, il te drague, toi tu parles normal avec lui, c'est grave. Mais bien sûr que je parle normal avec lui. Tu sais, ça fait combien de temps que je l'ai pas vu? Et alors, il t'a manqué? Olivier. C'est pas le moment. Ah. Et d'abord, c'est quand la dernière fois tu l'as vu? Franchement, je pense que ça date de ma crémaillère, ça fait des années, tu vois. T'es content? La crémaillère. Il fait partie des proches, alors. Mais... il est venu avec sa sœur. Ok? Normal. Il a déposé son cadeau, puis après... Quel cadeau? Je sais même pas pourquoi je te dis tout ça. Sérieux? Quel cadeau? Il m'a offert la cafetière. T'as pas changé en tout cas. C'est génial de toi. Qu'est-ce que tu fais? Toujours le foot? Ah ouais, ah ouais, vraiment, tu fais?